Down our way, both night and day. You know everybody, and they all know you. And even policemen say, how do you do? Salut à toi, bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le rasage traditionnel. Comme tu as dû voir dans la vidéo précédente, donc où j'ai utilisé le savon à barbe, voilà, je t'ai expliqué qu'en quoi aujourd'hui ce serait sûrement une vidéo avec le savon Pro Raso. Donc le Pro Raso rouge, donc beurre karité, boîte santal. C'est l'un des premiers savons que j'ai eu. Donc le premier, ça a été du coup un bon savon que j'ai utilisé très peu, que j'ai vite débarrassé pour pouvoir m'acheter un vrai savon, du coup, on va dire. Et en allant chez mon barbier, j'avais vu qu'il y avait des Pro Raso, donc rouge et verte. Et j'ai pris la gamme verte au début, pour rester quand même côté menthol. Et comme il faisait assez chaud à cette période-là, j'ai pris le vert, je l'ai testé pendant un petit moment, et franchement, ça m'avait bien plu. Et du coup, j'avais pris le rouge boîte santal pour voir par rapport à l'odeur si ça me plaisait, etc. Et c'est une franchement, c'est vraiment une tuerie. Donc il y en a beaucoup qui connaissent, beaucoup, excusez-moi. Beaucoup qui connaissent cette marque-là, beaucoup qui connaissent ce savon-là exactement, beaucoup qui l'utilisent. Et bon, pour les petits nouveaux, voilà, c'est mieux d'expliquer vraiment si c'est un bon produit ou pas. Côté prix, franchement, il est vraiment pas cher sur les sites. Il doit tourner aux alentours de 6 euros pour le format à 100 millilitres, je crois. 150 millilitres aux alentours de 6 euros. Après, je sais que vous avez la gamme verte en gamme voyage. Donc tout petit, ça doit être à peu près 90, si je peux le préciser. Je ne sais pas exactement la quantité qu'il y a dans ce petit savon-là, je n'ai jamais testé. Moi je prends toujours on va dire, les assez gros pots, je préfère. Donc aujourd'hui, voilà, boîte santal, beurre de karité, le blaireau Yaki Brush en 24, celui-là c'est le Marcel. Donc voilà, commandé chez Art du Barbier. Que j'ai reçu avec la tasse en métal, donc style vintage, Art du Barbier. Donc c'était, je vous dis pas de bêtises, le pactage de Pitchivier. Donc pour ceux qui connaissent cette chaîne compagnie, ils savent de quoi on parle. Voilà, ça m'a fait plaisir de recevoir un petit cadeau comme ça. Donc voilà, j'ai mis une petite pellicule d'eau pour amoller le savon. Donc vous pouvez voir quand même que c'est assez rempli. Là, il a son actif à peu près 10 rasages. Donc j'ai pas utilisé grand chose. On va charger le blaireau. Et comme quoi c'est bien pas la première fois que j'utilise, voilà. J'ai gardé mon ancien pot qui me sert de bol à savon pour monter justement ma mousse après. Même si avec les Pro Raso on n'a pas vraiment besoin d'un bol. Bon, vous allez forcer quand même bourrin non plus, hein. Franchement, ça va tout seul sur la brosse. J'ai des collègues qui appuient, qui font des trous dans leur savon. Hop. Et hop, on monte dans le bol. Pour pouvoir, ça monte tout seul. Je compte mâcher quand même un bol de savon pour pouvoir monter assez facilement. Un truc qui tient bien en main quand même. Hop là. Ça sent super bon. Donc là, ce que je vais faire, je vais pas en mettre partout du coup. Là, je vais faire vraiment que les côtés. Et au niveau du cou, mais je vais pas faire sur toute la barbe. Vu que j'utilise maintenant le savon à barbe pour nettoyer. Alors le problème avec le Pro Raso, c'est qu'il manque beaucoup d'eau quand même.
Ouais, quelques gouttes suffisent, hein. Ne faites déjà pas tremper non plus dans sous le robinet, ça sert à rien. Donc je remercie Damien, avant que j'oublie, Damien qui me suit du coup sur YouTube et sur Instagram. Donc voilà, il me laisse toujours un petit commentaire, un petit like quelque part-ci par-là. Donc ça fait plaisir. Je te remercie quand même de me suivre comme ça et de réellement me suivre, on va dire. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on va commencer le rasage. Bon, hop. Ouais, bon, je te remercie vraiment Damien, c'est vrai que depuis le début, bon, dire, t'es là pratiquement depuis le début sur Insta. Mais ça fait assez plaisir de voir quand même. Voilà. On passe à la deuxième passe, donc latérale. Ou alors pour certains à contresens, comme on dit. Alors on devrait rarement utiliser un DE, un DE, un caoutchouc ou alors une chavette. Je sais les utiliser, mais je préfère quand même le DE. Donc pour ceux qui voudraient savoir ce que c'est qu'un DE, donc qui ne connaissent pas le mot, ceux qui se rasent comme ça depuis un moment, ils savent ce que c'est. Le DE, en fait, voilà, c'est un rasoir de sûreté. Donc double edge. Si mon anglais est bon, ça doit être ça, double edge. Pour un coupe-chou, donc c'est CC. Ou alors un rasoir couteau. Ça, c'est vraiment pour les anciens, ça. Et là, je viens de remarquer un truc, c'est que j'ai oublié de faire le coup. C'est pas grave. On va le faire tout de suite. Donc je compte par la suite, dès que le confinement sera fini, d'aller chez le barbier. Déjà d'un côté pour tailler la barbe. Je vais faire un petit coup de cheveux en même temps. Et pourquoi pas en tourner une petite vidéo. Une vidéo vlog ou ouais, présentation chez un barbier. Il est plus coiffeur que barbier, mais franchement, en barberie, il est excellent. Donc là, sens contraire du poil. Il est super doux ce rasoir-là. C'est une tuerie.
Donc pour ceux qui souhaitent l'acquérir, il y aura le lien dans la description. Donc de chez Big Moustache. Donc c'est pas un placement de produit du tout pour eux, parce que je travaille pas du tout avec eux. Mais voilà. Je vous retrouve tout de suite après, je rince tout ça, puis on reprend la discussion juste après. Donc voilà. Pour aujourd'hui, du coup, j'ai utilisé l'huile de chez Cirque du Barbe, de Audacious Bard, le Mighty Moko. Donc c'est pareil que le Firebreaker, Firecrackers. Sauf que dedans, il y a en plus, à la place de l'huile de baie de Genièvre, eux, ils ont mis de l'huile de patchouli. Donc ouais, après, il y a une petite odeur un petit peu florale. Mais florale assez forte quand même, parce que le patchouli, c'est assez fort. 6. 6 gouttes suffisent. Ouais, comme je disais, j'ai aucun partenariat avec Big Moustache. Mais j'avais fait la demande il n'y a pas si longtemps que ça. Pour pouvoir présenter leurs autres produits, parce que franchement, le rasoir, c'est une tuerie. Et je me demandais qu'est-ce que c'était pour les autres. Donc, tout ce qui était savon ou gel à raser. Ainsi que leurs petits accessoires sur ce côté, quoi. Donc, tout ce qui est bol, maintien du rasoir, etc. L'huile elle est mise. Pas trop ce qui suffit. Voilà. Donc, si Big Moustache vous regardez, je serais intéressé pour tester tous vos produits parce que franchement, ce rasoir, c'est une tuerie. Voilà. Audacious Bird, donc voilà l'ami, si tu comprends à peu près ce que je dis, tes produits c'est vraiment une tuerie aussi. Donc Audacious Bird est anglais mais il parle un petit peu français, on arrive à se comprendre de temps en temps. Voilà, c'est vraiment une tuerie. Une semaine d'essai déjà, c'est assez concluant, surtout avec une barbe assez longue. D'ici une petite semaine, voilà, comme j'ai dit, je ferai un avis complet dans une vidéo où je présente chaque produit, ce que j'en pense réellement. Si c'est par exemple j'ai une qui me plaît mais qu'une autre me plaît pas, etc. Donc j'en dis pas plus pour l'instant. Bon, d'ici 2-3 semaines, comme je vous ai dit, il y aura un colis qui va arriver, voire plusieurs. Donc de différents sites, on verra bien. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Donc il y en a déjà un sûr de chez Art du Barbier. Donc je pense que ce sera le plus gros. Donc le prix pareil, il va être assez élevé. Comme d'habitude, de toute façon, je vois que je compte chez eux, c'est venu pour bonbon. Et il y aura deux autres sites. Donc, je pense que j'ai commandé le savon de Pisslay. Donc, je sais pas si je vais prendre avec l'après-rasage ou sans, vu que j'en utilise pas. Donc, désolé Cyril si tu regardes la vidéo. Mais au moins, je commanderai au moins ce savon pour pouvoir te laisser donner mon avis sur ma chaîne et pour faire découvrir à ceux qui regardent. Et ensuite, le troisième, j'en dis pas plus, parce que je sais pas encore chez qui je vais commander. Donc, je suis en train de réfléchir un petit peu. On verra bien. En tout cas, tous les liens sont dans la description de tous les sites où je commande pour le moment. Donc, il y en aura d'autres qui vont arriver par la suite. Il y a mon Instagram, ma page Facebook et mon Facebook. Donc, je me connecte assez souvent dessus. Et sur Instagram, je suis régulièrement dessus, pratiquement tous les jours. Donc, dernier pour le dire dans les commentaires. Car il voit très bien quand je suis là, quand je suis pas là. Et voilà. Pour le prochain rasage, je pensais prendre le savon Fine. Donc, j'essaierai de le mettre ici sur la vidéo. Donc voilà. Ou alors peut-être un autre savon, peut-être un Raso Zéro. Ou le Genji Cotton, donc celui que je vous avais parlé, qui me donne un petit peu de plaque au niveau du cou. Voir si là ça continue de me le faire ou pas. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, c'est super important. Il y aura un premier jeu concours du coup sur Instagram. Donc j'essaie de le mettre ici, comme ça sera plus simple pour vous. Voilà, premier jeu sur Instagram qui se lancera d'ici 15 jours, on va dire environ. Temps de recevoir justement ce que je voudrais vous faire gagner. Et il y aura un autre jeu concours par la suite. Donc pas pour l'instant parce qu'on n'y est pas encore. Mais dès qu'on atteindra les 100 abonnés sur cette chaîne, je ferai un second jeu concours. Et tous les 100 abonnés, je ferai gagner quelque chose à un abonné. Donc que ce soit sur Instagram et sur YouTube. Donc ce sera deux trucs différents à chaque fois. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que voilà, vous avez pour les nouveaux, vous avez eu quelques nouveaux conseils.
Franchement, n'hésitez pas à me suivre et n'hésitez pas à donner vos avis pour les prochains produits à essayer. Si vous avez des suggestions ou même, on va dire, même des défis, ça pourrait être intéressant d'essayer de relever, excusez-moi, des défis que vous me proposerez. Donc voilà, je vous souhaite un bon rasage, je vous souhaite une bonne journée, un bon confinement. Je vous dis à la fois prochaine. C'était le rasage d'un temps. Ciao.